Bonjour à tous, aujourd'hui ça va zouker et biguiner avec les musiciens de Shabada, Fabrice Rago à la guitare, David Lefebvre à la basse, Aurélien Noël à l'accordéon, Alexandre Millet au piano et bien sûr Yannick Unier à la batterie et à la direction musicale. Et puis notre encyclopédie vivante viendra nous rejoindre dans un instant, Jack, bien sûr, Jack Pessis. Yes, il y a le feu aujourd'hui sur le plateau de Shabada. Et puis comme chaque dimanche, on va surtout chanter avec nos invités la compagnie créole au grand complet. Bonjour. Merci. Hélène Segarra qui a choisi de chanter France Gall, Michel Berger. Aujourd'hui, Antoine qui reprendra des chansons de Renaud. Bonjour Antoine. Et puis Mani, un nouveau venu dans cette bande du dimanche de Shabada. Et son tube Bang Bang qui a choisi la môme Piaf aujourd'hui. Oui, j'ai choisi Piaf. C'est vrai que je ne suis pas vraiment, quand on en vient au chant, un grand connaisseur de la musique française, mais ça m'a semblé être une évidence parce que c'est tellement puissant et ça a une force poétique tellement entraînante que voilà, c'est ça qui m'a séduit. Je sais que ce n'est pas une chanson qui est souvent chantée par des hommes, donc j'ai voulu l'essayer. C'est vrai. On découvrira ton choix de chanson d'ailleurs tout à l'heure. Alors, je suis très contente de vous recevoir tous les quatre, la compagnie créole, Clémence, José, Julien et Guy. Le premier succès de la compagnie créole en métropole, c'était en 1982 avec C'est bon pour le moral. Et je vous propose tout de suite de commencer à donner le ton de cette émission avec un premier extrait. C'est bon pour le moral, ça vous tente? Oui. Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien briller. C'est vrai que quand vous avez entendu la chanson pour la première fois, qu'on vous a proposé de la chanter, vous avez cru que c'était une plaisanterie? Tout à fait. Moi, pourquoi? Oui. Ouais. Tous. Bah, disons qu'on, nous venions d'enregistrer un album en créole parce qu'on était très branchés sur la chanson folklorique du terroir, c'est Blogodo. Ouais. Et puis, notre producteur Daniel Vanguard et Jean-Claude Guerre, ils ont ramené cette chanson, c'est bon pour le moral. Et puis, lui, il la chantait d'une façon un peu molle, voilà. Ça zouquait moins qu'avec vous. Voilà, ça zouquait pas tellement. Alors, on s'est regardé, on dit, on va pas chanter ça. Puis, il dit, José, qu'est-ce que t'en penses? José, il a dit, c'est nul. Et finalement, puis, on a mis un petit peu d'ingrédients, de washa, de la biguine, et puis voilà, ça a donné ça. C'est pas si nul que ça, non? Non, et puis en plus... Je suis stupéfaite parce qu'ils vieillissent pas. Ouais. Ah, on dirait que c'est incroyable. C'est pas beau d'en faire. C'est vrai. On se fait piquer. C'est la musique. Ouais. Mani, est-ce que tu chantais les chansons de la compagnie créole quand tu étais petit? Bah moi, comme tous les métropolitains, c'est la compagnie créole qui nous permettait de passer l'hiver comme ça, un peu au chaud. Et c'est vrai qu'on passait à travers l'hiver grâce à vous, sans angoisse, sans stress, et que vous nous permettiez d'attendre un peu le printemps et l'été. Donc, merci pour toutes ces années sans hiver que vous nous avez fait vivre. Ouais. Au Canada, ils nous font venir spécialement faire fond de la neige. Voilà. Tu as des origines antillaises? Non, pas du tout. Moi, c'est plutôt méditerranéen. Méditerranéen. Afrique du Nord. Ah, d'accord. Et alors, ton nom, ton pseudonyme, Mani, ça veut dire le joyau en sanskrit. Ouais, ça veut dire le joyau en sanskrit. Ça vient d'un mantra tibétain qui dit Om Mani Padme Hum, qui est censé apporter la paix et la sérénité, la paix intérieure. J'en ai besoin parce que je suis très nerveux et anxieux comme garçon dans la vie de tous les jours. Et donc, j'ai pensé que ça me calmerait. Voilà, alors tu es assise à côté d'un joyau, Hélène, ça va? Ça va, mais moi, ça m'a fait penser à Mani et ses outils. Tu m'en as parlé, un petit dessin animé que mes enfants regardent, c'est vrai. Alors, c'est un petit bonhomme, il s'appelle Mani, puis il a des outils, il partout. Mais comme il m'a dit, mon outil, c'est le micro, voilà. C'est mon seul outil aujourd'hui. On va continuer à chanter tous les tubes de la compagnie créole. Mais d'abord, Hélène, tu as choisi France Gall et les chansons, évidemment, de Michel Berger, écrites pour France Gall. C'est vrai, parce que j'ai grandi, enfin, mon adolescence, à
été aussi influencé par cette musique-là. Je suis désolée, si j'avais su, j'aurais mis une petite chemise à fleurs aujourd'hui, là. Je suis entourée de petits soleils comme ça. Alors oui, France Gall, qui est quand même une référence avec Michel Berger. Diego, Libre dans sa tête, c'est un album qui est sorti en 81, Tout pour la musique, un manifeste contre les dictatures en Amérique latine. Pourquoi tu as choisi cette chanson ? Parce que, pour moi, ça a été le début d'un Michel Berger engagé que j'ai découvert. C'est vrai que c'était un autre Michel. Michel a fait des chansons légères, et puis celle-ci, d'un coup, elle affirmait quelque chose de très fort. On t'écoute ? Cette chanson, c'est pas facile hein, de choisir dans le répertoire de France Gall. Tu as choisi aussi Cézanne Pain. Oui. Tout de suite là ? Super. Explique-nous pourquoi d'abord. Est-ce qu'il y a Parce que ce sont vraiment les couleurs de la Provence. Il y en a beaucoup que j'aime de France Gall. Et il y avait des chansons moins connues comme Bébé comme la ville. Il y a des moments où j'aime tout le monde plus haut. Là, je me suis focalisée sur des chansons déjà plus connues. Cézanne Pain, c'est vraiment, ça décrit complètement mon coin du sud, les oliviers, le silence et l'art qui se mêle à tout ça, comme Cézanne l'a immortalisé en peinture. On t'écoute. Silence les grillons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison. Silence sur la colline, ces parfums qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous son chapeau de paille, des taches plein sa blouse et la barbe en bataille. Cézanne. S'accomplir la magie de ses mains, Cézanne Pain. Il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve. Mais Cézanne sait bien quand Cézanne peint. José, Guy et Julien avaient l'air complètement sous le charme. Hein. Je suis toujours sous le charme. Hein. J'ai pensé le zouker un peu, mais on dit après avec les mains qu'on va dire qu'on s'ennuie. Ça serait amusant d'ailleurs de voir à la manière de la compagnie créole des chansons comme ça du patrimoine de la chanson française. Rousseau, alors. C'est ce que j'allais dire. Noël, c'est une malade. Oui, bien sûr. Oui, c'est une chanson de France, oui.
Henri Rousseau, le peintre, vous a inspiré, vous aussi. Ça aussi, vous êtes dit, c'est quoi cette chanson débile quand on vous l'a amenée ou non, pas non, 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 quand non, même pas. Celle-là était mieux, quand même. Ouais. C'est pas la même histoire aussi, parce qu'on s'imaginait, par exemple, ces animaux gentils, les tigres vivent avec nous, tranquilles, oui, pas mangeurs d'hommes. Tout le monde en paix, c'est génial. Les couleurs, voilà, voilà, l'idée les écureuils de se projeter dans un tableau du douanier Rousseau. Non, mais le premier, ah, oui, ils n'ont pas trouvé nul. Elle a dit qu'il a trouvé, oui, ça mou du genou. Mou du genou, oui, c'est vrai. C'est José qui a dit le mot a été nul. Si vous nous la chantiez, tiens celle-là, douanier Rousseau. Ah ouais, ouais. Pourquoi pas. On a vu Matt, Rémi, je crois qu'en régie, ils dansent aussi, d'ailleurs, mais il n'y a pas de caméra là-bas pour les filmer. J'espère que vous dansez, vous aussi, chez vous. Alors, la Compagnie Créole, c'est le groupe qui a été élu, groupe des années 80, qui fait le plus danser. Je ne savais pas que ça existait, hein, ce titre, mais en tout cas, vous l'avez. Vous ne le saviez pas non plus. Il n'y a pas que ça. On nous a aussi élu... groupe des mariages de France, quoi. Je sais pas. Ah, le groupe, ah ça c'est fort, le groupe des mariages de France. Et puis il y a des timbres. Oui, je le veux. Des timbres ont été pressés, voilà, à votre effigie. Tout à fait. Donc vous pouvez envoyer votre courrier avec, avec le timbre de la Compagnie Créole. C'est sympa. Ça c'est chic. Ouais. Et on apprend vos chansons dans les écoles aussi. Tout à fait. Puis, jusqu'au Japon. Jusqu'au Japon, c'est pas vrai. Mais ce qui m'a en plus frappé, c'est qu'au Danemark, j'ai reçu justement une chanson. On nous demandait la permission pour faire une chanson pour les enfants. Mais ça, c'est une chanson qui s'appelle La Gourmandise, qui est très peu connue, d'ailleurs, dans les écoles. Qu'on chante dans les écoles au Japon. Voilà. Et c'est comment, La Gourmandise ? Comme ça, a cappella. La gourmandise est mon péché mignon. Oh, oh, mon péché mignon. Mais ce qui en fait ce drôle, c'est que quand je dis j'aime les hommes, alors avec la tarte aux pommes, alors dans les écoles, c'est bizarre. C'est drôle, tu connaissais cette chanson, Hélène ? Pas du tout. Alors, non, moi non plus. Alors un an après le douanier Rousseau, bah, y a eu Ça fait rire les oiseaux, c'était en 1986. Vous nous en chantez un extrait ? Oui. Allez, d'accord. Pourquoi pas ? C'est le big succès en ce moment au Canada. Oui, gros succès au Canada. J'ai entendu dire d'ailleurs que les gens chantent tellement fort avec vous cette chanson que vous n'arrivez même plus à vous entendre. Juste pour l'histoire, que veut dire décalé katane ? Je l'ai répété. Décalé katao. Décalé katao. Ça ne veut rien dire. Moi, j'ai cherché pendant des années sur la route décalé katao. Je suis parti au bout du monde pour savoir ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, j'ai la réponse. Ça ne veut rien dire. On s'est fait avoir. Mais l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de ma vie. Nous-mêmes, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il faut t'habituer parce que nous, on continue à le dire. Et tous les Japonais qui arrivent en France, ils sont là décalés katao et ils croient qu'ils parlent français. Ou les alligators, ça. Allez, on va essayer de couvrir votre voix sur cette chanson, sur le plateau de Shabada. Vous chantez tous « Ça fait rire les oiseaux ». Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages, ça fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils, ça rajoute les couleurs. Chanson d'amour, c'est
comme un looping en avion. Ça fait battre le cœur des filles et des garçons. Une chanson d'amour, c'est de l'oxygène dans la maison. Les pieds ne touchent plus par terre, t'es en lévitation. S'il y a de la pluie dans ta vie, si le soir te fait peur, la musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour les jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte le bonheur. C'est magique, le fait qu'on reprend tout son cœur. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les oreilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Merci beaucoup à tous. Merci. On t'a pas dit, excuse-moi, mais cette chanson, au Canada, ils disent que c'est le ver d'oreille. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le ver d'oreille, voilà. Non, comme le ver qui est dans la pomme. On a découvert ça. Le ver d'oreille, c'est la chanson qui reste dans la tête le plus. Ah oui, ils d'accord. Ça le ver d'oreille. Ouais, la chanson dont on ne peut pas se débarrasser. On va tous la chanter jusqu'à dimanche prochain. Au Canada, avant, il y en avait qui prenaient des antidépresseurs. Maintenant, ils écoutent la Compagnie Créole. Exactement. Absolument. Mais il faut savoir que ça nous fait du bien aussi. Antoine aussi, ça lui fait du bien, j'ai l'impression. Hein. Ah, moi, ça me fait du bien. Moi, je suis né là-dedans, tombé là-dedans quand j'étais petit. Hein. J'adore cette musique-là et tout. Moi, je ne peux plus m'en passer de la Compagnie Créole. J'ai envie d'une autre chanson, le bal masqué. Allez, le bal masqué. Au bal masqué. Oui, ça tombe bien. C'est irrésistible. C'est que tu le veuilles ou non, de toute façon, t'es entraîné, t'es emmené. Je me rends. Ils seront magnifiques. Décalé catin, décalé catin. Ohé, ohé. Décalé catin, décalé catin. Ohé, ohé. Décalé catin, décalé catin. Et ça marche, à chaque fois. Décalé catin, décalé catin. Ohé, ohé. Décalé catin, décalé catin. C'est imparable. C'est juste imparable. Tu ne peux pas l'éviter. Lady Gaga va le reprendre. Voilà, c'est ça. Shakira, bien sûr, Lady Gaga va déjà. Reprendre Elles sont en train de se battre avec Shakira. Elle est là, décalé catin, décalé catin. What it means. On va lui expliquer. Merci en tout cas beaucoup à tous les quatre. Vous préparez un nouvel album pour fêter les 30 ans de carrière en fin d'année. Et puis on vous retrouve en tournée dans toute la France et en Europe. Et sûrement l'année prochaine, j'espère, sur le plateau de Shabada pour écouter les titres du nouvel album. Merci beaucoup, Julien et Guy. Merci à vous. Merci. Et j'ai le plaisir maintenant d'accueillir notre compagnie Shabada à nous.
que vous allez croiser en sortant. Et évidemment, il s'agit de Jacques Pessis et Nathalie Lhermitte, parce qu'ils sont bons pour le moral. Bienvenue sur le plateau de Shabada aujourd'hui avec un petit peu de retard, Jacques. Mais j'ai tout entendu, j'ai fait la fête avec vous à côté. On a dansé. Alors, Nathalie et moi. Cette semaine, Jacques, vous êtes intéressé avec Nathalie au cas Antoine. Oui, cas Antoine. Voilà. C'est l'élève. L'élève Antoine, étudiant ingénieur à l'école centrale, devenu chanteur et grand voyageur. Oui, il y a deux étapes. Tira centrale, c'était un élève correct, mais surtout absent. Parce qu'il disposait, je crois, d'un certain nombre de points d'assiduité qui lui permettaient de montrer les cours. Et je les ai utilisés jusqu'à l'os. Et surtout pendant les élucubrations. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que le mot élucubration est venu à l'esprit d'Antoine parce que c'est une formule qu'employait son père pour se moquer de lui son frère quand il faisait des bêtises. Il disait enfant. Qu'est-ce que c'est que ces élucubrations, mon père? Ah oui, d'accord. C'est vrai. Et la première version des élucubrations, on ne parlait pas de la pilule en vente dans les Monoprix, mais du hashish en vente dans les Monoprix. Eh oui, c'était quand j'avais écrit la chanson, je ne sais pas que j'étais tellement concerné par le hashish. D'ailleurs, je ne fume pas et je conseille de ne pas fumer parce que je ne vois pas l'intérêt. Mais on n'a pas besoin pour faire un tabac. Mais on n'a pas besoin pour faire un tabac. Mais par contre, la chanson, j'avais écrit ça. Très bien, très bien. Par contre, j'avais écrit ce couplet-là. Et puis à ce moment-là, la maison Vogue me dit, c'est pas possible. On ne peut pas garder cette phrase-là. On va aller en prison directement. Alors j'ai dit, mais en fait, ce que je voulais écrire, c'est une chose qui me concerne beaucoup plus parce que c'était... À l'époque, c'était les années 60, et il y avait une chose qui arrivait, c'était vraiment, on était encore dans la loi de 1920, c'était interdit de parler de la contraception et tout. Et là, tout à coup, j'ai dit, on va parler de la pilule, voilà. On ne peut pas parler de la pilule, ce n'est pas possible. On va aller en prison pour de bon, parce que c'était interdit même d'en parler. Et vous n'êtes pas allé en prison, mais tête des hit-parades. Mais à peu près un an et demi après, la loi de Wirth arrivait et la contraception était légalisée, voilà. Alors, je suis dans l'obligation, Antoine, de te demander un extrait des élucubrations, quand même. Oh yeah! Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah! J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant, Antoine, t'avais du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les Monoprix. Oh yeah! Ça c'était il y a 45 ans à peu près. Alors j'ai un petit peu modifié en fonction de ce qui se passe maintenant. Ça fait... J'ai reçu un email de la présidence me demandant, Antoine, comment renflouer la France? Faut protéger les petites qui vendent un peu d'amour et mettre Roselyne en vitrine à Hambourg. Les couplets réactualisés version 2012, voilà, c'est 2012. Tu milites pour la liberté de la prostitution alors? Oui, je pense que j'ai une immense admiration pour les personnes qui ont choisi ce métier. Je pense qu'elles sont plus nombreuses qu'on ne dit. J'ai vraiment une grande admiration pour elles, grande compassion pour ces événements qui ne le font pas volontairement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont dits et qu'il est temps de rendre hommage à ces personnes. C'est ce que j'ai fait avec cette chanson. Et de les respecter. Et de les respecter, et absolument. Et de les protéger peut-être davantage. Je pense justement. Que j'ai un immense respect pour elles et une grande admiration pour les personnes qui ont choisi ce métier. C'est drôle en tout cas. Alors, suite à la chanson, il y a eu de nombreuses parodies qui ont fleuri en 66 et dans les années qui ont suivi. Alors, Jacques et Nathalie, vous allez nous en faire découvrir quelques-unes. Mais d'abord, je vous propose de regarder une parodie de la chanson que vous avez chantée vous-même. C'était en mai 66. Ah oui, c'est par ouais, Antoine, pas mal, regardez. Jour à la TV, il y avait tête de bois. C'était Albert Reisner qui jouait de l'harmonica. Ton harmonica nous fatigue, Albert. Si tu jouais de l'accordéon comme Horner. Oh yeah! Vous pouvez
retrouver ces images ainsi que de nombreuses archives de l'émission H Tendre et Tête de Bois dans un coffret 3 DVD qui est paru aux éditions au Montparnasse et INA. Alors Jacques. Une parodie d'un certain Pierre Gilbert. Il était chansonnier aux Deux Ânes. Alors il arrivait sur scène avec la perruque d'Antoine, avec la chemise à fleurs. Il avait une petite moustache à la Clark Gable. Et il chantait un refrain. Il avait été célèbre pour une chanson qui s'appelait La tambouille et la fesse. Donc on voit déjà le niveau. Et là, il a chanté une parodie qui s'appelle Antoinerie et qui a fait un succès dans les cabarets de chansonniers en 1966. Antoinerie. Oh yeah. Oh yeah. La première fois que j'ai vu Antoine, quelle émotion. D'abord, j'ai cru que j'avais des hallucinations. Et puis tout aussitôt, sincèrement, je l'avoue, j'ai pensé que les Martiens étaient déjà chez nous. Oh yeah. S'il aime mes chemises à fleurs, après tout c'est son droit. Moi je ne suis encore qu'aux chemises à petits pois. Car la télé nous dit chaque jour et plusieurs fois, on a toujours besoin de petits pois chez soi. La première qu'on devrait avaler. C'est grâce à cette pilule qu'il a trouvé le succès. Ce sont les petites pilules qui font les gros cachets. C'est vrai qu'il y a eu des dizaines de versions différentes de cette chanson-là. Moi, j'ai écrit des couplets comme ça. Au long des années, j'en ai écrit des dizaines. C'était bien trouvé, en tout cas. Ce sont les petites pilules qui font les gros cachets. Dites-moi, Antoine, au niveau des chemises à fleurs, vous avez des actions dedans? Parce qu'il paraît que ça a grimpé grâce à vous. Ah oui, ça a grimpé. Non, c'est, ah, c'est vrai. Belle, celle-là. C'est incroyable, je ne sais pas où il les elle trouve. Elle vient de Tahiti, celle-là, directement. Et je reçois souvent des messages comme ça, des gens qui me disent où je peux trouver. Là, il y a un garçon qui m'a envoyé un mail, il m'a dit je fête mes 70 ballets et j'ai décidé que je ne m'habillerai plus qu'en chemise à fleurs. Alors donne-moi des adresses. Je vais donner des adresses, il a commandé, il est ravi. Un garçon, j'adore un garçon de 70 ballets. Moi aussi, c'est la fleur de l'âge. Merci, Nathalie Lhermitte qui. Et tous les dimanches, évidemment, à 17h dans Shabada. Hélène, c'est le moment de nous faire découvrir le deuxième extrait de ton album. On avait entendu La vie avec toi. L'album s'appelle Parmi la foule. Et cette fois, c'est Le monde à l'envers. Il n'y a pas encore de parodie sur Le monde à l'envers. Mais enfin, déjà, le titre s'y prête. On peut y mettre pas mal de choses. C'est une chanson au texte un petit peu énigmatique, mais qui avait été écrite pour mon fils et qui explique la manière dont on peut se perdre en se cherchant dans ce monde. Voilà. Le monde à l'envers, extrait de l'album d'Hélène Segarra, Parmi la foule.
je cours, je brûle en silence, je me lance dans les pas de l'absence. Si je me retiens vraiment, je partirai sans prendre le temps. Et dans les yeux de ceux qui me jugent, je lancerai la première pierre. Je ne peux plus me retourner, je regarde le monde à l'envers. Je cours encore et je me lance, du bout des doigts je touche l'espoir. Jolie surprise dans ce Shabada. Bonjour Raphaël, bienvenue. Donc c'est la première fois que vous chantez tous les deux ensemble à la télévision? Oui, c'est la première fois, c'était pour toi. Oui. Très émouvant, Hélène. Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter, Raphaël, comme ça, sur cet album avec Hélène? Ben en fait, on a fait pas mal de musique avec... Elle me torture beaucoup. Oui. On fait pas mal de musique avec mon beau-père à la maison. Mon mari, Mathieu. Oui. Et en fait, un soir, il m'a proposé d'essayer de poser une voix sur une musique qu'il avait faite. Et il a fait écouter à ma mère, qui a bien aimé. Et donc, du coup, après, il m'a proposé ce que tu voudrais qu'on fasse en duo. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai dit que ça serait dommage qu'il la laisse pas. Il a fallu le convaincre, mais c'est vrai que c'est une chanson qui est très basse pour lui. Et c'est plus un featuring qu'un duo. Ouais. Et après, c'était pas du tout prévu que ça soit un single. Mais il est grand et maintenant, je crois qu'il assume. Pendant longtemps, à l'école, il cachait que j'étais sa maman. Aujourd'hui, je crois qu'il assume. Le monde à l'envers est extrait de l'album Parmi les foules de Hélène Segarra. Elle sera en concert le 16, le 17 et le 18 mars à l'Alhambra à Paris et puis en tournée dans toute la France. Avec lui, on sera là. Raphaël sera là. Bon. Ben, j'espère. Merci, Raphaël. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était une jolie surprise, en tout cas, Hélène. Une petite caille derrière sa piaille. Hein. Ouais. Ben, c'est émouvant, non, Antoine? C'est très émouvant. Voilà, ben. Antoine, tu as choisi de chanter Renaud aujourd'hui. Vous avez beaucoup de points communs, Renaud et toi, non? Oui. Ben, c'est-à-dire que ça a mal commencé au début, parce que Renaud, dans une de ses premières chansons, il chantait... Avant moi, il y a eu Antoine. Avant lui, il y a eu Dylan. On les a récupérés. Et société, tu m'auras pas. Alors, la première fois que j'ai rencontré Renaud, il était un peu gêné parce que il dit, comment j'avais pris ça? Alors, je lui ai dit, regarde-moi, est-ce que tu crois que la société m'a récupéré? Est-ce que tu crois que j'ai été récupéré? Et je dois dire, des années après, Renaud est venu me voir un jour. Il m'a dit, ça y est, j'ai craqué. J'ai lu tes livres et je pars en bateau. Un soir, par coup de vent, dans le golfe du Lion. Il était en ciré, en train de prendre des vagues dans la gueule, comme ça, et en tapant comme ça, il m'a raconté, en tapotant sur le roof, il a commencé à faire... C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, ta-ta-ta. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes sentiers et mon cuir un peu jaune contre une paire de doxales et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents sonneront, nous nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que le vent tournera, nous nous en allerons.
Merci Antoine. Je voudrais juste dire à Clémence que c'est encore une chanson qui permet aux Japonais d'apprendre le français correctement. Nous en allons. Et la dernière phrase de la chanson, c'est la plaisance, c'est le pied. Eh ben, c'est une phrase d'un livre à moi, de mon tout premier livre que j'avais écrit. Et ça terminait par « Le bateau, c'est le pied ». Et Renaud, il a pris ça et comme ça, il a fait la dernière phrase. La plaisance, c'est le pied. Donc, c'est un vrai clin d'œil, en fait. C'est un vrai clin d'œil. Et puis, il y a évidemment, dans mon HLM, voyons s'il est blême encore. Eh bien, on va voir s'il est blême. Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passez vite dans les caves avec son Beretta, traque les plombs qui chouravent, le pinard au bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vite bien de cul. Si c'est sa femme, sort pas de la cuisine, sinon il cote dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, sont finis par le jeter. C'est vous dire s'il est con, putain qu'il est blême. Quand HLM est la bombe du huitième, le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a le jeune catinamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, sont deux pièces pour le diable. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content et il part de se casser. De toute façon il peut pas, il lui reste à payer la vaisselle, la télé et la sûre pour les chats. Parce que naturellement son contribuable sent triste, il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. En plus Daniela, grâce à Renaud, on peut dire des gros mots à la télévision, c'est voilà. Quand même génial. Oui, qui balance, lâché. Et grâce à Renaud, on peut mieux comprendre la société. C'est Jacques Attali, qui était conseiller de François Mitterrand à l'époque, qui a dit « Je donnerai des milliers de pages sur la sociologie urbaine contre mon HLM de c'est Renaud ». C'est juste, c'est exact. Je vous propose de voir quelques images de Renaud lui-même qui chante Mistral gagnant. C'était en 2007. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Piqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Voilà, c'était... Renaud Mistral gagnant. Antoine, tu viens de sortir un très très beau livre, Antoine au paradis des animaux, aux éditions Gallimard, qui regroupe de belles photos d'animaux que tu as croisés dans tes voyages. Tu sais, c'est un peu comme dans les tableaux de Douanier Rousseau. Ouais. C'est-à-dire que c'est des animaux heureux. Ah, c'est quoi ça, les animaux qu'on voit? Alors ça, ce sont des lémuriens de Madagascar. Ah, les lémuriens, ils sont géniaux. Ah oui, ce sont des varis. Les varis, ils sont très doux. Ouais. C'est des animaux... Ça, c'est un koala, l'animal le plus protégé syndicalement de la planète. Il y a beaucoup d'histoires dans ce livre sur les animaux. Et c'est vraiment... On ne verra jamais un animal en attaquer un autre, quoi que ce soit, dans mes films ou dans les livres. J'ai toujours envie de montrer du bonheur. Regarde le petit bébé. Ouais, petit bébé otari sur une plage en Australie. Et c'est...
plein d'anecdotes parce que les animaux, ils ont beaucoup, beaucoup d'imagination. Ils ont vraiment une vie très riche et j'ai eu envie de raconter tout ça. C'est des animaux avec lesquels on vit quotidiennement. Est-ce que ton bateau s'appelle toujours le Banana Split ? Toujours le Banana toujours. Split. Et tu voyages toujours autant et tu fais partager cette passion pour toujours, les toujours. Îles paradisiaques aussi à travers une collection et des DVD. Voilà. Ils étaient une fois. Ils étaient une fois. Ils voilà. étaient une fois. Le nouveau, le dernier, c'est sur l'océan Indien. Et là, bon, l'océan Indien, les Seychelles, la Réunion, l'île Maurice. Et un petit scoop, je reviens au mois d'octobre avec un nouvel album que Stanislas m'a demandé de... Stanislas m'a proposé de produire un disque. Alors, il a travaillé, écrit des chansons, fait travailler des jeunes auteurs-compositeurs. Et ce disque, cet album sortira au mois d'octobre. Voilà. Je viendrai te présenter. Tu viendras nous présenter, évidemment, voilà. dans Chabada. Avec une grande joie. Mani, tu en parlais tout oui. à l'heure, tu as choisi Piaf aujourd'hui, et en particulier l'hymne à l'amour. Belle chanson. Bah, c'est une chanson en fait, qui m'a tout de suite frappé, parce qu'il y a une puissance au couplet, il y a une majestuosité, il y a quelque chose de très prenant. Et elle, je trouve qu'il y a quelque chose de brisé en elle qui m'a tout de suite touché, et je trouve qu'elle représente la France mieux que personne. Donc je voulais m'essayer à cette chanson. On t'écoute. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. On dit souvent que Edith Piaf était surtout une interprète, mais elle a aussi écrit des chansons, et celle-ci, par exemple. Elle a écrit une centaine de chansons, dont celle-ci en septembre 1949, pour Marcel Cerdan, avec qui elle vivait une très belle histoire d'amour. Et puis un mois plus tard, le 27 octobre 1949, Marcel Cerdan meurt d'un accident d'avion. Et le soir même, au Versailles à New York, elle ne renonce pas au concert. Et à la fin de son récital, elle se met toute seule sur scène et elle chante l'hymne à l'amour. Et à la fin, le public n'a pas applaudi, mais est resté debout. Et devant ce moment d'émotion, Edith Piaf est tombée sur scène et s'est évanouie. Tu as choisi une autre chanson d'Edith Piaf, c'est « La foule ». La foule, c'est le tempo de la chanson qui t'emporte. En fait, non, le tempo, c'est quelque chose qui aurait plutôt pu me freiner, parce que le côté valse comme ça, c'est pas dans mon expérience et dans mon histoire musicale. En fait, ce sont les paroles. C'est cette rencontre de gens qui sont rapprochés par une foule et qui sont séparés par cette même foule qui les a rapprochés. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne et se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis dans les vrais heureux. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis dans les vrais heureux. D'un
dam 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 dam. Allez! Merci, Mani. Tu chantes depuis l'âge de 13 ans, hein. Tu as toujours aimé chanter. Tu es produit par les internautes, hein, sur le site My Major Company, et ça a mis du temps avant de récolter la somme suffisante pour sortir l'album. Je pensais que ça allait mettre du temps. Ça a mis 2 semaines pour récolter 100 000 euros. Ouais, on a récolté 100 000 euros. En... Merci beaucoup. On l'a loupé celui-là, on aurait dû investir. C'est alors en plus, mention spéciale pour la compagnie créole. C'est un titre vraiment très très joyeux. Donc j'espère que ça va être bon pour votre morale. Voilà, ça s'appelle Bang, okay, Bang. Merci. On va l'écouter avec beaucoup d'attention. Mani, son album vient de sortir. Bang Bang, c'est le titre de la chanson. So black, it's desperate, man, not 20 years back from today. A warm mother and a kid named John learning life the artist way. And I said, oh, well, daddy has gone too soon for the young boy to stay cool. Come on. Oh, well, Johnny rule in the schoolyard, everybody say. A blue eyes clenched fist mannerism for Tony to go astray, yeah. Yeah, and not in like the room, no. Yeah, but it's the only man at home. Le petit homme est devenu grand, la rage au ventre que rien ne calme. Et boy, ça fait longtemps déjà que tu es sur la mauvaise voie. Et boy, ne tombe pas le diable, je te le dis pour la dernière fois. Fais ce qu'il te plaît. Oh, bang bang, et non ça ne leur plaît pas. Oh, oh, oh là. Est bien triste, mais notre histoire s'achève ainsi. Il ne dépend que de toi qui m'écoute de le ramener à la vie. Et je dis, on voit un et Tony nous quitte. On voit deux et ressuscite. Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un Shabada qui sera consacré à Jean Ferrat qui nous a quittés il y a déjà 2 ans avec Daniel Guichard, Didier Barbe-Livien et Juliette Katz. Ils chanteront évidemment les plus grands tubes de Jean Ferrat, de La Montagne à Aimer à perdre la raison. Merci beaucoup à la compagnie créole. C'est toujours aussi bon pour le moral. Merci. Et je vous souhaite une très bonne semaine. D'ici là, chantez, ça fait du bien.